combattre l'extrême droite, c'est pas tant combattre l'extrême droite comme un objectif en soi, mais plutôt mieux comprendre qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là progresse, quelle est la cause plutôt que quel est le problème. Et donc la cause pour nous, on est persuadé qu'elle est à chercher dans la vie de chacun, par une frustration à un moment donné, par une peur à un moment donné, et qu'on a vraiment besoin de faire ce travail-là à plusieurs pour comprendre, analyser et ensuite agir. On dit souvent les gens, on dit souvent le Front National, voilà. Et nous, on a pour coutume de dire les gens, c'est nous. Et donc, forcément, il ne faut pas nier le fait que on a aussi des peurs, on a aussi des sentiments, on a aussi des frustrations qui font qu'à un moment donné, on peut avoir des comportements qui ne sont pas dans le vivre ensemble et qui ne sont pas favorables à ça. Et j'entendais cet après-midi une collègue allemande qui disait la merde d'aujourd'hui, c'est le terreau de demain. Et cette phrase-là, elle me fait dire occupons-nous de ce qui pose problème aujourd'hui, parce que c'est là-dessus qu'on va construire demain.